on ne peut pas dire que Rebecca English ait été surprise. Le 8 janvier dernier, en découvrant le communiqué choc des Sussex, la journaliste du Daily Mail n'est pas tombée de haut. Il faut dire que depuis qu'elle suit la famille royale britannique, et le prince Harry, elle a appris à connaître le rebelle de la couronne. Elle, qui l'a rencontré en Lesotho en 2006, sentait le vent tourner. Dans un long article publié sur le Daily Mail, elle raconte sa relation particulière avec l'époux de Meghan Markle. Dès leur rencontre, il s'est confié à elle sur sa détermination à utiliser sa renommée pour continuer le travail de sa mère et sur combien il détestait les projecteurs. « Je ne briserai jamais les confidences que les membres de la famille royale ont parfois partagées avec moi », prévient-elle. Point. Mais je pense que de tels incidents nous donnent un aperçu de la triste situation que nous avons connue ces derniers jours. Selon elle, l'envie d'ailleurs du prince Harry ne date pas d'hier. Plusieurs fois au cours de nos voyages à travers le monde depuis cet intermède au Lesotho, au Népal, à New York, aux États-Unis et autres pays africains pour ne nommer que quelques-uns, il m'a parlé de la façon dont il aimerait simplement s'éloigner de tout, écrit Rebecca English qui promet que le duc de Sussex a toujours eu comme souhait de partir vivre en Afrique. À l'époque déjà, le père d'Archie voulait vivre sa vie très privilégiée loin de l'irritation du public et, en particulier, de la presse. Il parlait également des magazines de supermarché qu'il avait ramassés, dévorant avec voracité chaque article sur sa vie amoureuse, criblé de mensonges, écrit Rebecca English en évoquant la version d'Harry pour les tabloïds britanniques, qu'il a fini par attaquer en justice. Rebecca English, je comprends son désir de protéger sa femme et son fils si on parle de moi, alors je veux le savoir, disait-il en faisant semblant de tenir un cahier et un stylo. Un jour, j'aimerais vraiment avoir ma propre chronique dans un journal pour pouvoir écrire la vérité et dire aux gens ce que je pense, confie la journaliste. Après 15 années à le suivre, elle est attendrie par cet homme à l'intelligence émotionnelle que peu de membres de la famille royale peut égaler. Mais depuis sa rencontre avec Meghan Markle, le prince Harry prévenant et touchant a changé. La vérité est que nous avons à peine échangé un mot depuis, regrette la spécialiste de la famille royale. Mais je crois fermement que même si Meghan est le catalyseur des événements récents, Harry était parfaitement capable de s'éloigner de la famille royale par lui-même. En 15 ans sur le rythme royal, je l'ai vu passer d'un garçon à un homme. J'ai aussi grandi avec lui, écrit Rebecca English. Nous sommes tous les deux devenus parents et nous nous sommes retrouvés aux prises avec les émotions primordiales qui changent la vie et parfois stimulantes. Peu étonnée par le choix inédit des Sussex, la journaliste ne sait pas si cette solution est la meilleure. Je comprends son désir de protéger sa femme et son jeune fils plus qu'il ne peut l'imaginer, assure-t-elle. Est-il vraiment sage de vous séparer si acrimonieusement de la seule famille qui comprendra vraiment les pressions que vous subissez? Elle conclut, touchée par le prince Harry, en lui donnant un dernier conseil. Si vous pensez honnêtement qu'il vaut mieux pour vous et votre famille de prendre du recul, alors faites-le, mais ne vous coupez pas complètement.